Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un haul mélangé à des produits que j'ai reçus en partenariat ou pas, ou en test, mélangé aussi avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vais commencer par ce que m'a offert ma copine Rokaya et sa belle-mère. Elles sont trop mignonnes. Alors, elles savent que j'adore, enfin Rokaya sait que j'adore les pyjamas et les chaussettes. Donc du coup, elle m'a pris ces chaussettes là, elles viennent de chez Zeeman. J'en avais pas en noir et en fait vous allez voir que ça va être assorti à certaines choses. Donc avec les petits chaussons, ils sont trop doux, ils sont trop mignons, et cette merveille. Oh my god. Hello. C'est trop mignon. C'est un pyjama qui vient de chez Zeeman aussi. Il est tellement doux. Il est blanc. J'ai peur de le salir. Mais il est trop doux. Trop beau. Je vais pas vous montrer le bas parce que il est comme ça en fait. Ça sert à rien. Et j'ai eu aussi une écharpe. Elle a la même. Elle s'est pris la même. Une écharpe comme ça. C'est une écharpe tube. Voilà, que vous mettez. Elle est trop belle. Merci Rokaya. Donc ensuite je vais avoir de la part de ma copine Yanina une palette d'highlighter de NYX, et de la part de ma mère la Sweet Peach qui n'est pas encore ressortie et on attend. Ensuite de la part de mes copines Audrey et Juline, donc j'ai reçu ce coffret qui se trouve chez Action. C'est un coffret Dove où il y a crème de douche, lait pour le corps, déodorant, il y a deux laits pour le corps, format énorme. J'ai vu que ça coûtait 8€ et franchement voilà quoi. Celui-ci c'est un lait pour le corps, c'est un hydratant. Ensuite il y a c'est une lotion aussi. Je pense que c'est comme un lait, mais sauf que c'est une lotion quoi. Le déo qui est là, ça sent hyper bon. Et la crème de douche à l'hibiscus. Oh my god, quand je l'ai portée, enfin quand je me suis lavée avec hier, ça sentait hyper bon. J'ai pas encore utilisé les autres. Oh my god, ça sent trop bon. T'as envie juste de rester dans ta douche juste pour sentir. Ensuite, ce matin j'ai reçu ce shampoing pour tester de la part de Wear en Beauté. Vous savez que je suis chroniqueuse chez eux, donc je vous mettrai les liens de tous les articles que j'ai fait en barre d'infos. Il y a des produits qui sont vraiment pas mal que j'ai eu l'occasion de tester. Donc celui-ci c'est Eugène Parma, donc c'est un shampoing avec 3 huiles, huile d'argan, abyssinie et macadamia, donc sans parabènes, et ça a été fabriqué en France. Ça a l'air très intéressant et je vous en parlerai bien sûr rapidement. Donc n'hésitez pas à aller checker la newsletter de Wear en Beauté. Ensuite, j'ai acheté des chaussures. Mais là, vous allez me prendre pour une folle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ces chaussures-là, je les ai déjà. Sauf que il y avait une promo. Je comptais les acheter déjà. Je les ai payées 11,25€ au lieu de 25€. Je devais les racheter de toute façon. Donc, voilà. J'ai une excuse. Ensuite, j'ai reçu une petite pochette Ipanema, de la marque Ipanema, de la part des Galeries Lafayette. Ils ont organisé un événement shoes party aux galeries. D'ailleurs, vérifiez bien parce que souvent, ils font des événements qui sont super cool. Ils ont un traiteur. Oh my god. Moi, parfois, j'y vais pour ça. Ils ont un traiteur. Trop bien. J'ai jeté la carte hier, mais c'est un traiteur toulousain et je kiffe ce qu'ils font, vraiment. Tout ce qui est sablé, etc. Pour continuer avec mes cadeaux d'anniversaire, j'ai reçu celui-ci, donc c'est le Too Faced, le Melted Matte. Celui-ci, c'est la teinte Evil Twin. Je l'ai reçu de la part de mes copines blogueuses, Clémence et Laura. C'est Clémence du blog Tendance Clémence et Laura, la petite Rinchy. Elles sont trop adorables. Tout ça dans une petite pochette comme ça. Ah oui, j'ai oublié de sortir. J'ai reçu aussi l'aéromist des tables en fait. Tout ça dans la petite pochette que j'ai reçue de la part des filles. Je suis en train de le tester, j'ai arrêté de le tester, je teste autre chose. Mais il est pas mal, il faudrait que je vous en reparle. Et j'ai reçu plein de petits échantillons, Avène, Vichy, Bioderma. Et j'ai reçu aussi un petit melted comme ça, teinte chocolate. Il faudrait que je le teste, je l'ai toujours pas testé. Et un truc que je kiffe, que j'ai oublié de sortir parce que il est dans ma routine quoi. C'est celui-ci de chez NYX, donc c'est un blush, ils appellent ça blush je crois. Non, bronzer, poudre bronzante, mais c'est pas vraiment poudre bronzante quoi. Je l'utilise en highlighter parfois ici là, c'est de la bombe, ça donne un côté rose gold que j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je vous ai dit là, je l'ai presque oublié tellement il était dans ma routine, il était déjà intégré à la routine.
Ensuite, j'ai reçu aussi de la part d'Oguiran que j'ai testé. Je vous ai fait un article, le Yes You Can. C'est un fil de boucle. Il est trop trop bien. Franchement, je l'ai essayé. Il est vraiment trop bien. Je vous invite à aller voir ma revue complète dessus. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez des boucles comme moi, adoptez-le. C'est vraiment cool. Toujours de la part de Guiran. En fait, j'ai beaucoup testé leur marque Beauté Live que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des petites pépites, mais pas chères et super bien. En ce moment, je teste la brillantine Touche Finissant Satinée Shine Spray. Donc, je l'ai mise aujourd'hui. Je sais pas si vous arrivez à voir une différence avec les fois d'avant. Mais c'est fait en fait pour faire briller votre cheveu. Et ça le nourrit parce qu'il est au calendula. Voilà. Je vais passer à ce que j'ai acheté chez Action. Alors, j'ai voulu tester ceci. Donc, ce sont des pâtes. Donc, il y a 9 calories. En fait, par 100 grammes, et dedans il y a 200 grammes, donc il y a 18 calories. Il n'y a pas de gluten, il est enrichi en fibres, il est sans glucides et sans sucre. Donc autant vous dire que avec le rééquilibrage alimentaire que je veux faire, c'est parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de calories, alors j'ai essayé de diminuer au moins avec l'accompagnement. J'ai mis du thon, un petit peu de crème fraîche et c'était exquis. Enfin, comment vous dire, je crois que mon repas m'a fait 300 calories à tout casser, voire 400, même pas. Donc voilà, je vous recommande absolument, ça coûte 1€. Et il faudrait que je m'en achète plein et les mettre dans le placard comme ça quand j'ai des fringales. Quand j'ai pas envie de manger des pâtes, parce que là aujourd'hui je mange des pâtes parce que voilà, je vais avoir faim, je vais travailler. Mais voilà, si j'ai envie de manger des pâtes, au moins je saurai qu'elles sont clean comme pâtes. Voilà, je vous les recommande vraiment vraiment, elles sont vraiment topissimes. Ensuite chez Action, j'ai testé des bombes, elles sont trop bien et le prix en plus auquel elles coûtent 2,19€, parfois elles montent à 2,59€, mais même c'est pas cher. Et j'ai pu faire beaucoup beaucoup de shots, si vous me suivez sur Snapchat, n'hésitez pas d'ailleurs, c'est Camille EBS, j'ai peint plein de cadres et tout pour pouvoir faire un mur, voilà, depuis le temps que j'en parle. Et c'est trop bien, là il me reste un petit peu de blanc. Et en fait j'ai pris du blanc, du doré et du transparent. En fait c'est une sorte de top coat en fait. On va dire que c'est un top coat qu'on met par dessus pour que ça tienne mieux. Et je vous les recommande vraiment. Moi j'ai testé ce centre accord que j'avais payé 6,50€. Dégueulasse, le truc ça me faisait rien. Le bois absorbait la matière, c'était dégueulasse. Alors que là c'était topissime. Je vous les recommande vraiment si vous voulez faire des do it yourself ou n'importe quoi avec. Vous pouvez les utiliser dehors ou à l'intérieur. Enfin, pour des objets qui peuvent prendre la pluie ou etc. Franchement, ils sont top, vraiment. Je vais continuer avec Action. Je vais continuer avec du maquillage. Je ne l'ai pas encore adopté vraiment, vraiment, vraiment. Mais je l'ai testé. C'est un liner qui se présente comme ceci. Liner Max & Morph. Il est fourni avec son pinceau qui est ici. Il est waterproof. À voir, mais il coûtait pas cher. Je crois qu'il coûtait 1€. Voilà. Il se présentait dans un tube comme ceci. Et je l'ai testé une fois, il est pas mal, je dois vous dire. Ensuite, j'ai repris le liner de chez Max & Morph que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il sèche assez vite, peut-être parce que je l'avais beaucoup utilisé. Ça doit être ça, même parce que je l'adore. J'ai acheté ceci, ce sont des rouges à lèvres liquides. Ils sont fournis par deux, ils coûtent 1€. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat. J'adore ces couleurs, cette couleur surtout. Par contre ils ont tendance à s'effriter un petit peu. Donc voilà, j'ai testé sans le gloss par dessus. J'ai testé hier avec le gloss, c'est un petit peu mieux. Mais on verra, je vous en parlerai plus en détail. Ensuite j'ai acheté ceci, c'est la... Enfin c'est ma mère qui l'a acheté. C'est la Makeup Remover, donc c'est une lingette démaquillante. Vous l'utilisez qu'avec l'eau. Je l'ai testé plusieurs fois et je vous ai montré sur Snapchat une fois. Mais c'est de la bombe, vraiment. 99 centimes et j'ai vu qu'il y avait Sephora qui en faisait à 10€. Et une autre marque que je voulais m'acheter quand elle était sortie, écoutez, je crois 15 ou 16€, qui se trouve chez Sephora aussi. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. 99 centimes, même pas 1€. C'est de la bombe. Je vous en ai racheté un pour le concours. Pas qu'un. Deux. Voilà pour le concours que je ferai bientôt sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, si Easy Beauty Style, vous avez les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai acheté des fossiles. J'ai acheté deux fossiles. Donc il y a celle-ci, j'ai déjà utilisé une paire. Et il y a celle-ci. Non, j'ai pas utilisé l'autre paire, je l'ai donné à ma copine Rokaya le jour de mon anniversaire. Et il y a celle-ci. C'est de la bombe, franchement c'est de la bombe. Au prix auquel elle coûte, c'est de la bombe. Ensuite je me suis pris ce gel d'escargot, donc c'est une sorte de crème qu'on met la nuit.
Ça vient de chez Action, ça coûte 2 euros et quelques. Je voulais tester. Ça fait depuis le temps que je voulais tester des trucs chelous d'escargot. J'ai repris un blush comme ceci. Moi, j'ai le rose et en fait, j'ai voulu prendre le pêche. Alors, il l'appelle Rosewood, il l'appelle. Voilà, bois de rose. Il est vraiment très très beau. J'ai racheté cette crème, c'est la crème Aigron. C'est une crème de jour. Je l'ai rachetée parce que j'en aurais besoin, je le sais. Et j'ai pas encore fini, mais celle que j'ai, ça fait depuis. On est novembre, ça fait 3 mois que je l'utilise quand même. Et elle tient, elle tient pas mal. Hein. Et en plus, c'est un truc en verre, ça fait pas cheap. Je l'ai payé 1,68€. Je peux vous dire que c'est de la bombe, vraiment. J'ai acheté Happy Birthday, le H et le B, à 2€ chez Emma. Maintenant, ils ont baissé, ils sont à 1€. Ensuite, samedi, nous sommes partis avec les filles, Clémence et Laura, et Caroline, à l'event, donc l'événement de Sabon, donc, qui se trouve à Toulouse. Et on a reçu donc, ceci. Donc, c'est une crème de leur nouvelle gamme de Noël. Elle a l'air trop trop bien. J'adore déjà le packaging et j'aime beaucoup en fait le packaging de leur nouvelle collection. Il est vraiment très 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 beau. J'ai testé les gommages, ça a l'air trop trop bien. Après c'est vrai que les prix sont un petit peu élevés, mais pour des cadeaux ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai ce collier qui vient de chez Nijoli. J'en ai reçu d'autres, un marron. Enfin, je vous les montrerai dans une revue plus détaillée. Abonnez-vous à mon blog, c'est easybeautystyle.wordpress.com où je ferai la revue à dessus en fait. Ensuite, chez NYX, j'ai craqué mon slide. Ouais, mon slide. Alors, j'ai acheté un liquide suède rouge, c'est le Kitten Heel. J'ai acheté aussi le Eau Polyron, c'est un prune foncé trop beau. J'ai craqué sur les glosses métalliques, on va dire. En tête extraterrestre, un kaki, il est canon. Et j'ai craqué sur la vitesse de la lumière. C'est un orangé doré, trop beau. Ensuite, j'ai pris le NYX Full Throttle pleine couleur. Donc c'est un eyeshadow. Ça a l'air d'être une longue tenue. Et j'ai pris un liner rose comme ceci, rose rouge. Satin Fire quelque chose. Alors où est-ce que je vais trouver? Satin 01 Vivid Fire, feu vif. C'est le même nom de teinte que ça. Voilà. Toujours chez Action, on va revenir. J'ai repris ceci pour mes vidéos. Ça a coûté 1€, 1,50€. Même pas. Voilà. Ça sera mieux pour m'organiser. J'ai pris des stickers comme ça à 35 centimes. Et j'ai pris ces petites boîtes à 38 centimes. Elles sont trop mignonnes. Je compte vous en faire une, vous mettre une dans un concours. Et ensuite, j'ai pris ceci pour ranger mes dossiers. J'en ai pris 4. Et ça, c'est la cinquième. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un fond de teint chez Yves Rocher. Ils étaient en promo. Je l'ai payé 11,25€, je crois, au lieu de 23. Donc voilà, j'ai pris la teinte 300 beige, si ça vous intéresse, de la gamme Zéro Défaut. Ensuite, j'ai pris un chemisier canonissime en couleur brique. Il est moins flash en vrai, mais il est très 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 beau. Je l'ai payé 10€. J'ai pris un pull aussi. Il se présente comme ceci. Il est long à la derrière. Il coûte 12,95€. Non mais moins de 13€, j'ai eu un pull, il est trop trop beau. Ensuite, j'ai pris un autre chemisier, c'est pas le même modèle. Je voulais le rouge du même modèle que je vous ai montré, mais il n'y avait plus ma taille, il restait que du L. Du coup, j'ai pris ce modèle là, sans poche. Il est très très beau, en plus quand je porte ce collier, ça ressort très très bien. Ensuite, je voulais juste vous montrer, mon frère, c'est bien pour le rayon homme ou jeune. Il a pris celui-ci, donc 10€, c'est un pull basique. Et celui-ci qui est canon. Celui-ci il a payé à 20€. Je voulais vous montrer. Voilà, il a acheté un manteau kaki. Vous allez le voir sur mes photos Instagram. Parce que je vais l'utiliser. Parce que c'est un manteau pour mec. Mais je peux l'utiliser moi aussi. Et ça faisait très 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 joli. Debout. C'est ça, c'est celle-là la veste dont je vous parlais. Alors tourne-toi. Voilà. Allez, encore. Vite. Voilà. C'est bon. Vous savez que je suis totalement transparente avec vous. J'ai reçu des produits de chez ELF. Donc, j'ai reçu ceci. Je vais vous montrer vite fait, mais vous allez avoir une revue. J'ai reçu une palette de blush. Ensuite, une palette de fard à paupières parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Un rouge à lèvres mat. Un liner violet. Un concealer. Et une crème pour les yeux. Tous ces produits-là, je ne les ai jamais testés chez ELF. Pourtant, j'ai pas mal de produits de chez eux. À part des blushs, mais c'est pas la même palette. Donc voilà, c'est le bordel. Je vais aller travailler, sinon je vais aller partir en retard.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ce haul vous a plu. J'espère aussi que revoir ma petite tête vous plaît aussi, puisque ça fait hyper longtemps que j'avais pas filmé. Et voilà, normalement vous avez des vidéos assez régulièrement en ce moment. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'aimer la vidéo et d'aller regarder ma vidéo précédente, ainsi que venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en barre d'infos, c'est Easy Beauty Style, sauf Snapchat qui est Camille EBS. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.